La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Quelle est la signification de cet ancien et célèbre proverbe? C'est une vérité reconnue. Le silence est souvent bien éloquent que la parole. Le silence n'est pas seulement une absence de bruit, il exprime quelque chose d'essentiel. Parfois, rien n'est plus parlant que le silence lui-même. Il a souvent un pouvoir plus grand que les mots, notamment lorsqu'il s'agit de choses indicibles. Le silence est multiple. Il peut signifier la paix, la tranquillité, le bonheur, la peur comme la nuit. Certains redoutent les silences qu'ils trouvent inconfortables, parfois même paralysants. Il est parfois vécu comme un vide angoissant, comme un non-être. Pour d'autres, le silence est art, une richesse attendue. Il est au cœur du bonheur que l'on recherche tant. En réalité, le silence peut se révéler très puissant. Il bénéficie d'une force et d'une particularité. C'est dans le silence qu'émerge la véritable réflexion. C'est dans le silence que l'on se ressource, que l'on se recentre sur soi-même. Le silence est aussi une arme redoutable. Il est une clé du charisme. S'il est important de savoir parler, il l'est encore plus de savoir se taire. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les 6 bienfaits du silence. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici 6 bienfaits incontournables du silence. Bienfait numéro 1. Le silence distingue. Le bavard est tel un vase vide, écrit Dominique Leroux dans L'art de la simplicité. Le silence révèle quelque chose de profond, de sobre et de riche sur le caractère de celui ou celle qui sait écouter. Il lui donne une image de profonde quiétude, de profonde tranquillité. Lorsque tu es en présence d'autrui, efforce-toi de faire une économie stricte de ta parole et de ne pas prononcer de mots inutiles. Tu constateras par toi-même l'impact laissé sur autrui. Il ne faut pas confondre éloquence et grandiloquence. La grandiloquence n'est que la caricature de l'éloquence. En plus de nous vider de notre énergie, trop parler enlève du poids à ce que nous exprimons. Souvent, le silence est bien plus éloquent que la parole. Lorsque l'on donne à autrui le sentiment qu'il nous a percé à jour, le mystère disparaît. Notre charme et une part de notre charisme s'évanouissent d'eux-mêmes. Le charisme et le charme d'une femme ou d'un homme tiennent aussi au fait qu'il ou elle ne se dévoile jamais intégralement. Il ou elle se distingue par son silence. Bienfait numéro 2. Le silence protège. Ne pas tout dévoiler à autrui est une qualité qui s'apprend. Souvent, il est préférable de garder le silence sur sa vie privée. La dévoiler peut être une source intarissable de désagréments. Il est bon de garder de la discrétion sur certains détails de sa vie, car tu ne pourras jamais prévoir ce qu'autrui fera des informations que tu lui as dévoilées. La principale source de problèmes dans nos vies n'est pas le travail ni l'argent, mais nos relations avec les autres. Trouver la bonne distance en soi et les autres
est une condition essentielle pour vivre en harmonie avec eux. Le meilleur moyen d'y parvenir est de ne pas trop parler de soi, de ne pas révéler tout ce que l'on pense, de garder une certaine réserve dans ses propos. Les relations avec autrui deviennent alors beaucoup plus légères, simples et agréables. Bienfait numéro 3, le silence ressource. Comment se ressourcer dans ce monde assourdissant? Le vacarme de l'extérieur nous éloigne de notre réalité intérieure. Le silence est ce qui nous aide à retrouver ce calme intérieur dans le tumulte du quotidien. C'est par le silence que l'on peut revenir en nous-mêmes, découvrir qui l'on est et ce que l'on veut vraiment. Le silence nous apporte la quiétude dont nous avons besoin. Trop parler nous vide de notre énergie. Le silence est de l'énergie gagnée. C'est donc par lui et la solitude que l'on se ressource. Il est essentiel de les apprécier, d'apprécier sa propre compagnie. La solitude est un moment privilégié, non une punition. Elle est indispensable pour traiter avec soi-même, pour s'améliorer, pour travailler sur des projets sérieux. Vivre seul est un art qu'il faut apprendre à cultiver. Il y a tant de choses que nous ne pouvons réaliser que dans la solitude et le silence. Lire, méditer, penser, etc. Le silence est aussi le respect de la parole. Le silence rend la vie tellement plus riche. Bienfait numéro 4. Le silence rend stupide l'adversaire. Ne dit-on pas que l'ignorance est le meilleur des mépris? Les personnes mesurées n'utilisent les paroles qu'avec une extrême bienveillance, quitte à se taire parfois. Ne laisse pas les autres t'emporter dans leurs tourments et te diminuer. Sois imperméable à leurs provocations. La maîtrise de soi est la qualité d'une personne qui est grande intérieurement. Il n'existe pas d'offense, seulement des offensés. Personne ne peut te faire de mal sans le consentement de ton moi intérieur. Ne donne pas à autrui la validité de leurs propos négatifs en cédant à leurs provocations. Le silence et l'indifférence face à ce genre d'attaque sont souvent le pire des mépris et la meilleure des réponses qu'il soit. N'accorde ni ton temps, ni de l'importance aux individus qui te font du mal. Une fois qu'ils réaliseront qu'ils ne peuvent t'intimider, leurs attaques cesseront d'elles-mêmes. Perdre la maîtrise de soi contre quelqu'un ne mènera à jamais quelque chose de positif. Le silence, c'est répondre intelligemment. Souviens-toi, tu mérites d'être aimé, non d'être molesté. Tu mérites le respect, comme chacun d'entre nous. Tu peux tout perdre dans la vie, mais pas ta dignité. Ce qui te fait réellement du mal ne le permet jamais. Si tu sens que tu as déjà perdu cet aspect de ta personnalité, il n'est jamais trop tard pour le récupérer. Et n'oublie jamais, ceux qui ne t'accordent pas d'importance ne te méritent pas. Bienfait numéro 5, le silence révèle la force intérieure. C'est dans le silence que réside notre force. La véritable force est intérieure, elle est morale et spirituelle. Elle n'a que peu à voir avec les démonstrations de force verbale. Le silence permet la rencontre avec soi. Sous leurs airs distants et réservés, les personnes qui savent écouter dissimulent une grande et profonde richesse. Les personnes tentant le plus d'être remarquées sont souvent celles qui nourrissent le plus d'angoisse et d'insécurité. Certaines personnes craignent le silence. Ils supportent mal la tranquillité d'un lieu reculé ou utiliseront la télévision comme berceuse pour s'endormir. C'est que le silence nous confronte à notre intériorité.
tout ce qui était enfoui, dissimulé sous les bruits de fond, semble réjaillir. Colère, tristesse, frustration, douleur, etc. Le silence peut nous renvoyer à nos peurs les plus ancrées. Peur de l'abandon, de la solitude, etc. Ce face-à-face avec le silence, qui peut être parfois inconfortable, est pourtant nécessaire pour suivre notre évolution. Le silence est une condition essentielle pour trouver la paix intérieure. C'est le silence intérieur qui permet de saisir l'intuition. Le silence devient alors le reflet d'une connaissance spirituelle. Et enfin, bienfait numéro 6, le silence est l'ami de l'humilité. Le ciel nous a donné deux oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Nous devrions donc écouter deux fois plus que parler. Proverbe chinois. Faire silence, c'est écouter. Faire silence, c'est se rendre disponible pour les paroles des hommes et des femmes qui peuvent nous transmettre un savoir. Le silence est la condition de l'apprentissage. C'est l'état d'esprit qui réalise ses faiblesses, ses insuffisances, qui a soif d'apprentissage. C'est en bref faire preuve d'humilité. C'est lui ou celle qui veut s'instruire doit avant tout se taire, écouter et observer. Le silence est indispensable pour pouvoir entendre et accueillir l'enseignement. L'écoute est encore une preuve de respect. Écouter quelqu'un est sans doute le plus beau cadeau que nous pouvons lui offrir. C'est lui donner du temps, de l'attention, de l'importance, une présence bienveillante. Mais écouter, c'est déjà commencer par savoir se taire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment pour vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.